Et voilà. Vous connaissiez Miss Catastrophe? C'est moi. je pense que vous avez vu le thermomètre. Ça caille, sa mère. Ça vous a fait rire que je dise ça. Ouais, je me suis fait un bon thé là parce que. Putain, ouais, 17 degrés alors qu'on est rentré à minuit et demi. On a mis des bûches dans le poêle. À minuit et demi et on se lève à 9h30, il fait plus que 17 degrés, la maison est bien isolée, voilà, donc je pense à tous ceux qui ont une maison mal isolée avec des grille-pains, tout ça, comment vous devez vous les cailler. Voilà, à 17 je suis frigorifiée. Je suis en train de déjeuner, là j'ai pris ma madeleine d'hier que j'ai complètement oublié de manger, franchement elle est tellement simple qu'elle ne m'est pas restée dans la tête, hein, vous voyez. Alors, programme d'aujourd'hui. Je vais aller m'habiller quand même, ça je suis toujours en peignoir. On va ouvrir les calendriers. Après, je vais m'occuper de mes cheveux. Je vais faire un bain d'huile et donc je vais utiliser, comme je vous ai dit, la serviette de Laura. Je vais essayer de suivre vos conseils et de la mettre au micro-ondes. Vous êtes nombreux à m'avoir dit comment l'utiliser. C'est bien parce que j'ai jamais fait ça moi avant. Après, bah, j'ai encore pas mal de ménage à faire. Et pendant le ménage, je vais regarder Miss France. Parce que oui, je me suis aperçue qu'on était invité alors que c'était Miss France. Allô quoi, tu peux pas t'appeler mille et une paillettes et pas regarder Miss France. Et du coup, c'est interdit chez moi d'ouvrir la télé. J'ai dit à mon chéri, c'est mort, tant que j'ai pas regardé, on ne met pas le journal ou quoi, parce qu'ils vont forcément nous en parler et je veux pas être spoilée. Donc il faut rapidement que je me mette à faire mon ménage pour suivre. Moi je suis fan de Miss France, hein. Je fais toujours mes petits pronostics et tout, enfin voilà. Donc je voulais pas être spoilée, donc ça va être. Pendant le ménage et même le problème c'est que c'est long en général, donc j'espère que je vais pouvoir tout regarder aujourd'hui parce que j'ai quand même le montage à faire. J'ai aussi encore des paquets cadeaux à faire et on fera un masque forcément pour le visage le dimanche, obligatoire, journée cocooning hein, comme d'hab. Et puis bah, je pense que ça sera déjà pas mal pour un dimanche. Laura m'a laissé un message puisque a priori hier avec la serviette il y avait un deuxième paquet que j'ai pas vu. Donc j'ai été voir et j'ai trouvé ça, qui est un paquet qui n'a pas de numéro. Mais il y avait à côté un nœud comme ça. Et vu la taille, je pense qu'il devait être accroché, celui-là, à ça, qui est à peu près de la taille du plus gros. Et il a dû se défaire dans le carton. Donc effectivement, j'ai trouvé un paquet sans numéro. Donc je pense que c'est ça. Alors on va l'ouvrir tout de suite. Et donc, je pense que ça va être relié peut-être à la serviette et qui m'aiderait peut-être à comprendre l'indice d'hier. Voilà. Donc, je pense qu'effectivement, ça allait plus avec le côté neige, qui est très joliment dit, soit dit en passant, pour le problème que c'est. Je dirais ça maintenant quand j'ai des pellicules. J'ai un peu de neige sur les épaules. Alors, elle m'a mis un shampoing L'Oréal, le Instant Clear, qui est un shampoing anti-pelliculaire. Parce qu'elle sait que je râle tout le temps sur les shampoings pour cheveux normaux qui ne me conviennent pas. Et je ne connais pas du tout. J'avoue que anti-pelliculaire, j'utilise tout le temps des Head & Shoulders parce que bah, mon chéri utilise ça aussi. Donc on en a un pour deux. Et je n'ai jamais essayé d'autres shampoings anti-pelliculaires. Donc tant mieux. Et est-ce que... Ouais, bah, je vais le sentir tout de suite puisque je vais l'utiliser dès maintenant. Dès ce soir. Pour rincer mon bain d'huile, donc il va aller dans la douche, donc je peux ouvrir tout de suite. Oui, ça sent le shampoing. Ok, donc effectivement, comme ça, je comprends mieux l'indice qui était « Oust, la neige sur tes épaules ».
Et donc la serviette qui allait avec, et je sais même pas si tu as fait exprès que ça, la serviette soit de la même couleur que la bouteille. Donc voilà, ça sera essayé ce soir. Donc voilà, je termine ma madeleine, je termine mon thé, je vais m'habiller et on se retrouve pour les calendriers. Donc voilà, j'ai mis le gros pull parce qu'il y a vraiment besoin. Et j'ai mis les chaussettes de Laura, mais du coup vous pouvez pas les voir là, puis je sais pas faire le grand écart. Attendez. Ben oui, parce que je suis en rouge et blanc, alors je me suis dit que les chaussettes iraient bien avec. Et du coup, j'ai aussi mis les petites boucles d'oreilles. Je les ai juste mis pour les calendriers, puisque après, vu que je vais aller faire les cheveux, je vais les retirer. C'était histoire d'être présentable pour vous. Alors, on commence par Pixie, mais elle n'est pas descendue parce que je pense qu'elle se l'écaille tellement. Elle s'est calée sur les genoux de mon chéri qui est en train de lire. Et elle ne bougera qu'en cas d'extrême nécessité, je pense. Donc aujourd'hui, on est à 18. Ah, il ne reste plus qu'une semaine, quoi. Dites-vous que dans une semaine tout pile, ça sera la fin des Vlogmas. Ce sera le dernier Vlogmas. Alors, donc chez les chats, Action, on a ces petits cœurs-là que vous connaissez maintenant. Et chez les chiens... Ah, c'est aussi les petits. Bon, elle n'a pas de chance aujourd'hui. C'est les petits comme ça. Alors, chez Adopt, il y avait quelque chose que je voulais dire à la marque, si jamais elle passe par là. Il est quand même hyper dur. Les numéros sont en doré comme le reste des décos. Et du coup, on ne voit rien. Je passe tout le temps trois plombes à trouver ma case. Donc, c'est un petit parfum qui, normalement, est avec des notes florales, puisqu'il s'appelle Bouquet d'amour. Et c'est aussi une note de parfum pailletée. Alors, ce qui est bien, c'est que quasiment tous les petits formats ont des paillettes. Je trouve que ça fait très Noël, du coup, très fête. Bon, et ben on teste sur la manche, hein, comme d'habitude. Mais oui. Ah, ça me rappelle un parfum très connu. Ah, je sais plus lequel. Mais oui, ça sent bon. C'est pas un coup de cœur, mais ça sent bon. C'est pas sucré. C'est uniquement floral et franchement, c'est un peu muguet quand même. Hein. Ouais, j'aime bien ça. On pense. Est-ce que le 18 va être bien? Ben, vous voyez, il fallait que j'en parle tout à l'heure avec le shampoing de Laura. Nous avons chez Calista à nouveau un shampoing pour les cheveux normaux. C'est la marque Kérastase. Bain Force Architect, c'est un shampoing réparateur reconstructeur pour les cheveux abîmés, cassants ou fourchus. Alors, c'est un petit peu mon cas, pas tant que ça, mais bon, c'est vrai que je leur fais tout le temps des couleurs et donc ils sont pas tant abîmés parce que je leur fais des soins tout le temps. Bon, je vais le garder quand même. Par contre, il me semble que c'est pas le premier shampoing qu'il y a chez Calista et je pense qu'un seul shampoing dans un calendrier, c'est suffisant. Hein. Non mais si, en fait, le parfum Adopt, c'est quand même un coup de cœur finalement. Parce que là, je laisse se développer et c'est très floral et c'est un côté muguet. Vous savez que le muguet, c'est un de mes parfums préférés. Ah non, je suis contente. Chez Glossybox, on a un petit format. Hein, c'est quand même pas très grand. C'est le même format que chez Rituals hier où j'étais pas très contente. C'est un masque traitant. Nutri Plenish de la marque Aveda. C'est pour les cheveux ou c'est pas pour les cheveux? Oui, c'est pour les cheveux, voilà, c'est ça. Il me semblait bien que Aveda c'était pour les cheveux. Donc c'est un masque traitant hydratant de ce format là. Donc pour les cheveux longs comme moi, c'est en deux fois c'est fini. Ça, non, je suis pas contente. Je suis pas contente que ces formats soient aussi petits. Alors ça doit pas être mal. Chez Maison Colibri, on a une madeleine cœur choco-noisette. Donc grosso modo, je pense que ça doit être un peu Nutella. Je pense que ça va pas être mauvais. Plus ils ont mis des petites noisettes sur le dessus. Je pense que ça peut être bon. Je crois qu'avoir une friandise était une extrême nécessité finalement, puisque Pixie vient de se ramener. Tu veux dire bonjour, Lolo? Hein? Dis bonjour. Oui. Tu as bravé le froid pour venir chercher une friandise? Ah ouais? Bah oui, non, mais je veux pas de bisous. Tu veux une friandise?
Et si on se remettait là, ça fait longtemps qu'on leur a montré le petit rituel. Allez, assis. Tap. Bisous. Bisous. Ouais. Pas terrible la friandise aujourd'hui. Bah non, bah je sais bien, mais qu'est-ce que tu veux, ma louloute? C'était pas une bonne journée pour toi, regarde, c'est que des petits. Et les chats, c'est encore plus petit. Elle est un peu blasée, là. Allez, tiens, descends. Donc, chez Savannah de Borne, par contre, je vais finir par vraiment m'énerver avec leur baume. Ça commence vraiment à bien faire. Et là, on a à nouveau un format. Ah, c'est un format brume. Mais ça me paraît lourd. Est-ce que ça pourrait être un gel douche? Si c'est une brume, je vais m'énerver. Ça a le format d'une brume, mais j'ai l'impression que c'est le liquide est plus lourd que les brumes. Non. Parfum d'ambiance. Et puis alors, parfum d'ambiance, bonhomme de neige, ce qui ne veut absolument rien dire. Un bonhomme de neige, ça sent rien. Bon, bah, je vous le montre comme ça, je vous le mets dans le concours parce que moi, j'utilise pas ça. Ça me... Là, franchement, je trouve que c'est abusé. C'est un site où il y a beaucoup de choses. Ça s'appelle Savonnerie. Leur vente principale, ce sont les bougies. Et les produits corps, savon et enfin crème corps, toutes ces choses-là. Depuis le début, ils nous mettent que des brebis. Mais c'est pas ça que j'attends de Savonnerie de Borne, en fait. Avec leur calendrier, je ne découvre pas leur marque. Vous allez voir quand je ferai le haul que ce que je vais vous présenter n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans le calendrier. Le calendrier coûte quand même 90 balles. Enfin, je sais pas, c'est... Non, non. Là, pour mon anniversaire, j'ai pris 15 produits. Certes, pas 24, mais quand même 15. 15 full size pour 106 euros. Donc en fait, pour 20 euros de plus, j'ai 15 produits complets avec des trucs originaux et aucune brume. Là, ça me gonfle vraiment. Ça venait de bombe. En fait, quand je vais faire un retour calendrier, je pense qu'ils vont en prendre plein la tronche. Parce que là, ça m'agace. Non, mais il y a un moment donné, c'est bon, quoi. Enfin, je sais pas, ça me fait le même effet. Là, à chaque fois qu'ils me mettent des baumes, ça me fait le même effet que si chez Adopt, ils me mettaient tous les jours une lime à ongles. Hein. Bon, chez Ritual, c'est pareil, on va encore avoir une bougie. Alors, c'est pas que je suis mécontente, j'aime bien les bougies, mais 4 bougies, quoi. Puis 4 fois les mêmes formats, 4 fois le même design. Je trouve que c'est la facilité. Je connais cette gamme-là puisque j'ai eu la bougie normale. C'est la Precious Amber, la noire comme ça normalement. Et écoutez, je vous la mets aussi dans le concours parce que je l'ai déjà eu en grand format. Je suis pas une grande fan de ce parfum-là, je le trouve fort, presque masculin. Donc bon, je la garderai si vous la prenez pas, mais bon, si ça peut vous plaire. Bah, j'ai cru qu'on était bien parti parce que j'ai eu un super parfum, mais vous voyez, là je suis en mode gros soufflé, quoi. Ça m'énerve juste quand on me met des doublons, des triplons, des quadruplons, des quintuplons, hein, pour Savonnerie de Borne. Là on en est à 5 ou 6, mais bah attendez. Enfin, chez Savonnerie de Borne, on est quand même à la 7e brume sur 24. On est presque à un tiers du calendrier quand même. Enfin, je sais pas, vous vous rendez compte, pour un magasin qui vend des savons et des bougies, on a eu une bougie, on a eu un savon, et tout le reste, on met des brumes. Alors, dans le AM Cosmétique spécial fondant, on a un parfum patchouli. Je sais pas ce que ça sent, le patchouli. Non, j'aime pas. C'est un format petit champignon comme ça. Non, je n'aime pas. De toute façon, je crois que j'ai compris que c'était pas ma journée. Et là, on est bon pour un joker à la fin. Alors, j'ai à nouveau un peu peur, je vous avoue. AM Cosmétique Total Détente, ça a le même format que l'huile essentielle à la lavande qu'on a eu la dernière fois. Est-ce qu'on aurait remis encore le même type de produit? C'est ça, c'est exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, c'est parfum mangue. Donc, il se présente comme ça. Je vais le garder, mais...
pour mettre dans les toilettes. Non mais parce que dans les toilettes, je mets souvent, j'ai une petite rose, je sais pas ce que c'est la matière, c'est une matière qui casse et on peut mettre des huiles dessus pour que ça sente bon dans les toilettes. Mais là tout de suite j'ai les sticks de chez Rituals dans les toilettes, mais je le garde parce que ça sent bon, mais je suis franchement pas transcendée. Et ben, ça fait la troisième fois qu'on nous met un produit qu'on nous a déjà mis dans le calendrier. Or moi j'aimerais bien découvrir des nouvelles choses. On est quand même le 18 et je n'ai toujours pas le porte-encens format cône ni les sticks d'encens qui vont dans la coupelle. C'est-à-dire que pour l'instant, au 18 du mois, je ne peux toujours pas utiliser ce qu'on m'a mis dans le calendrier. Faudrait réfléchir à ça parce que là, vous partez du principe que les gens ont ce qu'il faut ou sinon vous attendez que les gens achètent ce qu'il faut pour utiliser les produits que vous nous mettiez. C'est un peu dommage. Ou alors, il faut nous les mettre assez rapprochés, quoi, pour qu'on puisse les utiliser. Parce que là, moi, ça, on est le 18 et mes trucs attendent toujours de pouvoir être utilisés. Normalement, on est censé pouvoir utiliser assez rapidement quand même ce qu'on a eu dans le calendrier. Laura, veux-tu bien me relever cette journée, s'il te plaît? Parce que là, je suis en train de me déconfire, je crois. Alors aujourd'hui, c'est une petite maison orange. D'accord, donc c'est marqué « Pink, puissance pink ». Donc je pense à un rouge à lait. Non, c'est pas un format de rouge à lait. C'est un format tube. Ah, je sais pas du tout du coup. Ah bah si, bah attends, il y a plein de trucs. C'est pénible. Il y a trois produits dans le sac. Fini repulpant. Un spray fixateur au fini repulpant. Alors ça, j'avais jamais entendu ce genre de choses. Repulpant. Donc de la marque NYX. Bah écoute, ça, hâte de voir ce que ça fait un fini repulpant, parce que là, comme ça, je ne vois pas. C'est... Donc, je pense que si elle a mis pink, puissance pink, c'est parce que tout est rose. Et donc, si, il y a un rouge à lèvres, et celui-là, je le connais très bien, puisque je l'ai déjà. Désolée, mais je l'adore, donc il n'y a pas de problème. Je le garderai en réserve, et quand j'aurai terminé l'autre, je prendrai le tien. C'est les Soft Matte Lip Cream. Une crème à lèvres douce et mate en teinte Prague, qui est une super belle couleur. Donc oui, celui-là, je l'ai déjà. Et avec, bah, je pense que c'est un crayon à lèvres. Ouais, c'est ça, en rose pink, pink. Très pink. Et franchement, ouais, il est super rose. C'est vraiment rose Barbie. Mais pour le coup, tu sais quoi? Je n'en ai pas. Pas mal de crayons à lèvres, mais j'ai pas de rose pétant comme ça, alors que j'ai des rouges à lèvres pétants comme ça. Donc ça, très bien. Non, franchement, top. En plus, NYX, c'est une marque que j'aime beaucoup et que j'ai du mal à avoir chez moi à Rouen, parce qu'il y a très très peu d'endroits où on peut en acheter. Je crois que c'est à la boutique du... Non, pas la boutique du coiffeur. Bleu Libellule, quelque chose comme ça, où il y a un petit corner NYX, mais qui est un centre commercial où je vais jamais. Et sinon, à Rouen, il n'y a pas de boutique revendeur NYX. Et du coup, j'ai un peu du mal à avoir du NYX. Ok, super, merci. Là, franchement, tu as bien relevé mes cases 18 parce que... À part le parfum, où je suis vraiment contente, il me correspond vraiment bien. Le reste... C'est pas fini. Bon, Cottage, je relève un petit peu cette journée également. C'est un bain douche, un lait de douche, crème de framboise. En général, les trucs à la framboise, j'aime bien. Ouais, ça sent bon. Ça sent bon. Ouf, ça relève un petit peu. Est-ce qu'on peut compter sur Gloria pour relever la journée? J'ai des gros doutes. Alors, c'est marqué embellis vos lèvres. Ouh, serait-ce un make-up? Valeur 3,90. Bon, ça c'est moins top. Beauty Made Easy. Ah, je ne connais pas du tout cette marque. Oh non. Oh non, non, non. Mais non, mais non. Ça aurait dû me faire tilt en même temps. Hein. 3,90 pour des lèvres, ça ne pouvait pas être un rouge à lèvres. Donc il fallait que ce soit un baume à lèvres. Voilà quoi. C'est un baume à lèvres. Sur lequel on ne va pas s'extasier, hein, forcément. Ça sent rien du tout.
Non, mais est-ce que ça sert vraiment que je vous mette ça dans le concours? Qui va prendre ça? Bah, je vais le garder, hein, mais. En plus, j'en ai déjà trois de commencer, des baumes à lèvres. Ça met hyper longtemps à se finir. Oh non, 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 mais il faut arrêter un peu là. Je crois que le Gloria est ma plus grosse déception des Vlogmas. On va compter par contre sur DeBayonCorp pour remonter. Et ça, c'est possible parce que chez DeBayonCorp, normalement, il y avait des très beaux produits. Ah oui. Alors, c'est très joliment présenté. C'est Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540. C'est une bougie parfumée. Alors, bon, déjà, son packaging est très joli. Ouais. C'est très léger l'odeur, hein. Ça sent quoi? Ils nous mettent pas à quoi ça sent? C'est quand même marqué. Échantillon gratuit ne peut être vendu. Bon, bougie parfumée, mais c'est pas marqué à quoi. Ça sent bon, mais c'est très léger. Sur le design, je suis pas. Voilà, hein, c'est pas très Noël. C'est pas. Je vais la garder pour l'année prochaine. Vu que l'année prochaine, mon sapin sera rouge et vert, ça ira dans le thème. Mais bon, c'est pas l'extase. Et il nous reste Luville. Voilà, et comme ça, on termine bien chez Luville avec un sapin tout, tout penché. Heureusement quand même que c'est avec du fer et que je peux essayer de leur. Enfin, je peux essayer, c'est quand même pas évident leur histoire là. Mais voilà, comme ça va, je l'ai à peu près redressé. Mais bon, encore une fois, pas d'extase. Là, que penser de cette journée, franchement? Non, encore une fois, je vous mets que trois produits dans le concours, c'est pas trop ça le problème. C'est que dans la plupart de ce que j'ai, je suis pas transcendée, quoi. En fait, là où je suis le plus déçue, je crois, c'est que j'ai acheté 15 calendriers quand même. En me disant sur les 15, je vais forcément tous les jours avoir plein de trucs qui vont me plaire. Pas les 15, mais une grosse partie. Et en fait, je me rends compte que non, c'est quand même pas le cas. Donc en fait, ça vaut acheter 50 calendriers. Bah non, les calendriers sont toujours pas exceptionnels, quoi. Donc la prochaine, j'en achèterai que deux. Parce que par rapport au prix qui a été mis sur ces calendriers, je trouve que mes wow sont trop faibles. Parce que n'oubliez pas quand même que il y en a pour plus de 700 euros de calendrier. J'ai pas 700 euros de waouh. Hein. Loin de là. Donc, ouais, pour l'instant, je suis quand même très déçue des calendriers. Et quand on tombe sur des jours comme ça, c'est gonflant, franchement. Bah, je crois qu'on a le droit à un joker là. Clairement, si c'est pas une journée où on peut prendre un joker. Alors, un petit joker. Ça, c'est un sacré joker. Franchement, tu gères. C'est un spécial mille et une paillettes. Regardez ça. Est-ce que c'est pas trop beau? Trop beau. Bright Glow. Donc, c'est un spray pour le corps. Donc, la marque Larive. Et donc, c'est un spray pailleté. Ah, par contre. Ah, d'accord. Alors, non, c'est pas vraiment un spray. C'est pas en brume, en fait. Il faut l'étaler. Bon, c'est un peu sucré. J'ai l'impression que ça sent un peu le caramel. Bon, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose à la caméra. Non, je pense pas. Un petit peu quand même. Vous voyez peut-être plus sur la main. Eh ben voilà quelque chose qui brille, quelque chose qui fait fête, quoi. Enfin, ça c'est du bon joker, Laura. Il est temps de passer à votre concours du jour. D'abord, on va tirer au sort le gagnant du jour numéro 14. Et pour aujourd'hui, je vous propose à nouveau trois choix. Soit en premier, un crayon blanc, donc pour la muqueuse de la marque Moonface. Je ne peux pas vous l'ouvrir, il est scellé. Soit un rouge à lèvres de la marque Folifier en teinte Looking, qui se présente comme ça, et qui est une teinte rose. Rose. C'est pas rouge, hein, c'est rose pour moi.
soit comme d'habitude, 10 participations supplémentaires au concours de Noël. Donc on va aller placer le petit sapin rapidement et ben, on va aller s'occuper de mes cheveux. En fait, j'ai été chercher et c'est pas exactement les mêmes. Celle du milieu, c'est celle que Laura m'a mis. Là, elle est un petit peu plus orangée, celle-là, et l'autre sur le côté, c'est celle qui lui ressemble le plus. Mais c'est quand même pas exactement la même teinte. Et c'est pas la même gamme non plus. Alors, je sais pas si ça change quelque chose. Celui-là, c'est un mat. Et celui-là, c'est les suèdes. Je sais pas exactement la différence. Suède, je pense que c'est un peu plus effet velours. Donc c'est pas exactement les mêmes, donc bah, je vais ouvrir aussi celui de Laura et puis je vais essayer voir les différences. Bon allez, je vais mettre l'huile Maïmira, la Better Hair Symphony. Alors normalement c'est pas quelque chose à rincer, mais là je vais en mettre beaucoup. Donc je pense qu'il va nécessairement falloir que je le rince. Bon voilà, alors par contre vous êtes nombreux à m'avoir dit donc, de la mettre la serviette au micro-ondes. Par contre, vous êtes aussi nombreux à m'avoir dit de l'humidifier. Mais alors, l'humidifier comment? Peut-être pas la passer complètement sous l'eau chaude. Vous mettez au spray. Je sais pas. Comment je fais? Bon, je vais essayer de mettre un petit peu d'eau un petit peu partout dessus. On verra bien. Bon, effectivement, c'est bien, bien chaud. Ça va bien me réchauffer. Alors, mon problème avec, c'est qu'elle est trop courte. J'ai les cheveux trop longs pour la serviette, ça prend pas tous mes cheveux. Bon bah c'est pas grave, je vais les laisser comme ça. Je vais mettre une pince parce que sinon ça va jamais tenir. Comment je vais mettre ça? Bon par contre ça refroidit super vite. Hein. Elle est déjà plus chaude. Je vais l'attacher avec une épingle à noix. Sinon elle va pas tenir, j'ai trop de cheveux. Bon, j'espère que ça va tenir comme ça. Et bon derrière il y a tout. J'ai encore plein de cheveux qui sont pas pris dedans. C'est dommage. Bon, ménage, Miss France, montage. Alors ça c'est mes 4 préférés, mais vous allez voir qu'à chaque fois il n'y en a qu'une ou deux qui passent, donc bah on va voir. La première Miss sélectionnée est Miss Franche-Comté. Ah, et j'en ai une. De Guadeloupe. Et Miss Pays de la Loire. Aquitaine. Côte d'Azur. Picardie. Et Miss Languedoc. Miss Nord-Pas-de-Calais. Ah, deuxième. Miss Midi-Pyrénées. Troisième. Miss Rhône-Alpes. Miss Auvergne. Miss Lorraine. Miss Poitou-Charentes. Miss Martinique. Bon, bah il m'en manque une, j'ai pas Miss Réunion, mais 3, c'est pas mal quand même. Bon, ça m'étonnerait que j'en ai 3 sur 5, mais bon. Nous avons la liste des 5 finalistes. Auvergne. Franche-Comté. Ah, il y en aura au moins une. Miss Guadeloupe. Martinique. Et enfin la dernière candidate sélectionnée est Miss Nord-Pas-de-Calais. Bon, moi j'en ai quand même 2. Bon, je croyais vous avoir filmé juste avant, sauf qu'en fait non, j'ai pas bien appuyé sur le bouton, donc je vous disais que je mettais mon masque blanc crème, celui à la pêche adoucissante. Alors je sais pas s'il va fonctionner, mais en tout cas il sent super bon. Je suis grave à la bourre, je m'en doutais que de regarder Miss France, ça me mettrait à la bourre. Il est 15h20, j'ai même pas encore fait mon montage, donc faut que je speed. Alors c'est un moment important puisque vous avez annoncé la deuxième dauphine et il ne restera que 2 prétendantes. Je crois que mon cœur bat aussi fort que le leur. La deuxième dauphine de Miss France 2023 est Miss Franche-Comté. Bon, bah, il me reste Nord-Pas-de-Calais. Miss France 2020.
2023 est et restera Miss Guadeloupe. Et voilà, j'ai encore raté. Comme tous les ans, hein, c'est jamais celle que je veux qui gagne. De toute façon, je suis habituée. Bon, voilà, je vais aller vite faire mon montage parce que là, je suis à la bourre. Donc, ça sera tout pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à demain.